does feel to me very, very personal. I feel the honor and the prestige of the prize very personally. Époustouflée, extrêmement touchée. C'est sûr que c'est un prix, une nomination et un prix qui sont très prestigieux. It's really exciting to win the GG because ever since I was a little kid, and teachers would bring in one new picture books to the class and they would have that seal with the GG on it. It just meant that it was going to be a great book and it was always something to sort of dream about. Ben, je m'attendais pas, mais j'étais émue et il a fallu comme quelques secondes pour que je reprenne possession de moi-même. Still surreal. Still at this moment surreal. I felt very content, obviously. Wow. Je l'ai vu comme juste une confirmation que j'ai fait un bon travail, en fait. C'est pas un bon parcours, un bon travail. I guess it's something you always think, you always hope that will happen. And then when it actually happens, you have to spend a little bit of time pinching yourself going, I guess it's really happening. On se sent reconnaissante, on se sent très honorée aussi d'être en compagnie des autres auteurs avec qui j'ai été nommée. Certains d'entre eux, je les admire depuis longtemps. Alors, c'est d'autant plus touchant pour moi d'être parmi cette gang-là. I feel like I'm still processing it in a lot of ways, and maybe we'll never process it really, truly. I think literature gives us stories, gives us other people's perspectives of the world. Accessible autant pour n'importe qui, presque, les livres de toutes sortes, il y en a. Puis donc ça nous projette un peu dans un monde, ça nous aide à nous évader. Puis pour les enfants aussi, pour la littérature jeunesse, l'importance de l'image. C'est vraiment stimulant pour les enfants, donc pour moi c'est vraiment précieux. We're pretty much fixed on earning a living and doing the things that we're required to do. Literature puts you in another dimension where you think about other subjects. I think the thing about literature that I love so much is that it articulates questions in such a way that it provides a clarity that I wouldn't have otherwise. La littérature pour moi ne peut pas vraiment être un divertissement. Ça a été de l'ordre presque de la nourriture. Je lis parce que j'en ai besoin pour me connaître, pour me supporter, connaître les autres, les supporter, m'émerveiller, etc. Paul Auster parle de l'art de la faim, mais je trouve que c'est ça pour moi, la lecture. C'est je lis quand j'ai faim parce que je ne peux pas vraiment m'en passer.